Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de mon partenariat BBCraft. Je vous ai déjà fait une vidéo pour vous montrer quoi. Ah oui, comment je me servais de ma petite planche à tampons. Je vous remettrai le i de ce que j'ai reçu à mon partenariat et puis ma première vidéo si vous voulez aller voir. Et puis là, j'avais reçu ces dailles. J'avais reçu ces trois dailles. Voilà, ces deux-là et ces deux-là. Donc, ils sont très bien parce que qu'ils peuvent faire un 3D sur une carte. Ça mesure, pour vous donner une idée, quand on prend du plus large, ça mesure pratiquement 15 cm. Hein, 14, 8, 9. Donc, pour faire des kisses, c'est parfait. Hein. Donc, lors de ma vidéo de présentation, je vous les avais découpés avec ma machine de découpe. Donc, voilà, les deux qui me restent, ces deux-là que j'ai pas encore utilisés, qui sont celles-là et celles-ci. Et puis, les deux autres, eh ben, on va faire une petite création avec vous. Donc, pour celle-ci, j'ai choisi de vous faire une kiss. Donc, les kiss, je ne vais pas vous réapprendre ce que c'est. Hein, de ce côté-là, vous mettez ce que vous voulez. La seule condition, c'est qu'il y ait le mot kiss quelque part. Donc, pour toutes mes abonnées, parce qu'il y en a beaucoup qui les cherchent, moi, en principe, je les mets sous les bras ou dans la coiffure ou sous les jambes des personnages Holland Create que je mets. Hein, voilà. Donc, derrière, par contre, vous devez mettre votre nom, nom et prénom. Ouais, je pourrais vous montrer tout, sauf ces deux choses-là. Voilà. Donc, voilà ce qu'on met sur une kiss. Donc, Marie-Noël, née-le, le thème qu'on viendra coller là, puis le mot kiss qu'on viendra mettre là. Donc, vous mettez votre adresse, la chaîne YouTube. Si vous avez d'autres réseaux, vous mettez votre point relais. Et puis, vous nous expliquez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit fond comme ça. Je suis pas encore très, très douée en aquarelle. Peut-être que ça va s'améliorer. Mais j'ai fait un petit fond comme ça parce que j'avais... de temps en temps, ben, je me mets à tamponner et puis je fais à l'aquarelle après. Alors, j'avais ces petits bonhommes-là de tampons. Voilà, j'avais ces petits bonhommes comme ça, et puis j'en avais fait deux, et puis j'avais aussi le cactus. Voilà, il y a le lasso aussi. Après, il y a de l'herbe. Moi, j'ai choisi de pas mettre de l'herbe parce que quand on est allé visiter les studios en Espagne, c'est vraiment, il y a pas d'herbe. Hein. Enfin, il y a de l'herbe, mais c'est des herbes jaunes, on va dire. Hein. Alors, mon but, c'est de venir mettre ce petit bonhomme, l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Et puis, dans les die cuts qu'on a eu il n'y a pas très très longtemps, alors c'est pas ceux-là, c'est ceux-là, j'ai vu qu'il y avait une page... il y a une page... Voilà, il y a cette page-là. Alors, je me suis dit, ben, je vais me servir de cette page-là pour compléter ma... Alors, moi, ce que je voulais prendre, c'était celui-là. Alors, je vais le découper. Par contre, ben moi, ça m'arrange pas du tout qu'il y ait du blanc parce que ça va pas faire joli. Alors, je vais découper le blanc. Hein. Je vais essayer d'aller... Oh là là, il est plein de colle, ciseaux. J'en ai pas un autre par là. Alors, attendez. Je vais prendre celui-là. C'est pas que j'aime beaucoup me servir, mais... Voilà, à défaut d'autre chose. Alors... Voilà. Bon, ben, j'espère que tout le monde va bien. Alors, nous, ça va. On est allé chercher notre nouvelle voiture hier, qui est arrivée plutôt prévue, parce qu'on l'attendait pour le mois de... juillet. Et puis, ben, ils nous ont appelé qu'elle était prête. Donc, on est allé la chercher. Alors, je suis super contente parce que c'est une verte. Mais alors, vert, un vert bien pétant. Hein. Et
En fait, ma première voiture, j'ai passé mon permis en 1974, il y a 50 ans. Et à l'époque, je travaillais, hein, parce que j'étais à l'usine à 14 ans et demi. Et comment dire, bon, c'est vrai que bah, j'avais un petit peu d'argent de côté. Alors, mes parents me disaient, mais pourquoi t'achètes pas une voiture neuve? Tu serais tranquille. Alors, j'avais acheté une deux chevaux. Alors, j'étais allée l'acheter à la concession de Cholet. Il n'y avait pas plus près, hein. Enfin, c'était pas très loin, hein. Parce que moi, à l'époque, j'habitais dans Limoges. Et bon, ces deux chevaux-là, en fait, ils en avaient sur la concession 4 ou 5 de reste. Alors, c'était en francs, hein, je vous dis, hein. Et elle valait, je sais plus, entre 11 et 12 000 francs. Et il m'avait cassé, hein, de l'argent. Je l'ai payé 10 000 francs, 10 600 francs. Alors, ben là, c'est vrai que ma deux chevaux, je l'aimais. Hein, on s'en est séparés quand notre deuxième est né, parce que la deux chevaux, à l'époque, on avait un grand, comment ça s'appelle? Un grand landau. C'était des grands landaus et notre aîné, ben, il était calé entre le landau et la portière, il avait presque pas de place. Alors, il a fallu changer, quoi. Alors, ben, à l'époque, je l'avais donné à mon père, et puis qui lui l'a donné à l'époque à l'ami de ma petite sœur. Mais bon, c'est le passé, mais c'est marrant de revenir aux couleurs qu'on aime, quoi. Hein. Si Marie, tu passes par là, tu vois qu'il n'y a pas que toi qui aime le vert. Hein. C'est peut-être pas forcément la couleur que j'affectionne le plus en comment dire, en scrap. Moi, j'aime beaucoup le rose en scrap. Hein. Mais pour des petits achats comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un peu d'encre sur le bord parce que sur la tranche on voit toujours les comment dire, voilà, on voit toujours un petit peu voilà, on les voit encore, hein. C'est pas. Et puis, ils sont un petit peu, comment dire, brillants. C'est pas laid, mais ça glisse moins bien. Alors, voilà. Donc, ici, je voudrais mettre ça comme ça. Le cactus. Le cactus. Ouais. Peut-être un peu plus comme ça. Mon petit bonhomme. Mon petit bonhomme. Un petit lasso. Un lasso, je vais mettre là, c'est pas grave. Et puis je voudrais faire un peu l'ombre du cactus. Parce que j'ai mis. Ouais, comme si le soleil était par là. Ouais, c'est bon. Comme il y aura les trucs, je ne vais pas faire. Voilà. Et puis ici, je vais venir mettre ça. Voilà. Donc ça fera comme ça. Donc on va coller tout ça. Donc ici, je ne voudrais pas que ma vidéo soit trop longue pour pas vous ennuyer non plus. Mais c'est marrant les choses. Et puis donc, bah, on l'a ramenée, on est allé la chercher hier, on avait rendez-vous à 15 h 30. Donc moi j'ai ramené l'autre parce qu'actuellement on a une Nissan Leaf. Donc on va la rendre, on ne va pas la garder, hein, puisque bon, c'est pas. C'est une voiture, elle est très confortable, très bien, mais c'est une voiture basse. Et on était habitué, avant, on avait un comment? Hop, je cherche mes. Oh là là! Où est-ce que je les ai mis? C'est pas vrai. C'est pas. Et on avait un Nissan Qashqai avant d'avoir la Life, et dans le coup, bah, c'était un petit peu difficile de revenir au plus petit, quoi. Mais bon,
On s'y est habitué, hein, c'est pas un problème, hein, mais là, je vais vous couper le temps que je mets mes. Coucou, on se reprend. Donc, je suis venue coller mon petit bonhomme. Je suis venue mettre en 3D, alors en 3D, le bonhomme et le cactus. Puis là, j'ai collé un autre lasso. Donc, sous mon petit bonhomme, j'ai bien caché le mot kiss. Et puis maintenant, je vais venir mettre ce truc-là. Hein. Donc, je vais essayer de le coller au maximum. Voilà. Voilà. Donc, ça. Attendez, il faut que je mette bien de ce bord-là. Hop. Pour pas qu'il dépasse de trop, quoi. Voilà. Ah oui, j'ai pas marqué tout le tour. Zut. J'aurais dû le faire avant. J'aime bien faire un petit machin. Tout le tour. Là, j'ai zappé. Oui, ça aurait été mieux que je le fasse avant. N'oubliez pas de, si vous refaites ça, n'oubliez pas de les faire avancer mieux. Voilà. Donc, voilà, ma petite kiss est faite. J'ai juste à couper un petit peu là ce qui dépasse. Bon, même s'il y a des herbes qui sont un peu dans la nature, qu'on voyait comme là qui touche pas vraiment, mais au contraire, ça fait un style 3D. La seule chose que je vais rajouter, c'est des oiseaux dans le ciel, parce qu'on peut imaginer qu'il y a des vautours. Et ici, voilà. Donc voilà ma petite kiss. Bon, je vais en commencer une autre avec vous. Mais je couperai pendant la découpe et le montage. Donc j'en ai fait une que je vais faire avec ma petite bonne femme là, Peace and Love. Hein. Donc bah, je vous retrouve pour vous la présenter à la fin. Coucou les filles, me revoilà. Donc voilà, j'ai fait ma deuxième carte. Alors j'avais fait un fond de ciel bleu, un fond comme un pré. En vert, j'avais mis ce petit tamponnage là de chez Stampin' Up. J'ai collé donc le ouais, c'est dans celui-ci, dans ce carnet là. Vous avez ici le petit van là. Hein. Donc, je suis venue le coller sur le fond. Bah, il tenait juste entre mon arbre et le bout de la carte en fait. Hein. Je suis venue y coller ma petite poupette en 3D, le sigle des hippies, hein. Faites l'amour et pas la guerre, la petite colombe. Et puis dessus, je suis venue y mettre que j'avais découpé avec vous, ce die-là en fait. Hein. Donc, je l'avais mis à l'aquarelle. J'avais fait les petites fleurs roses et puis les pieds de feuilles, tout ça en vert. Donc, bah, je
trouve ma petite sympa. Vous allez dire, elle se fait des fleurs, mais non, non, j'aime bien faire mes petites cartes avec mes petites poupinettes là. Donc voilà, pour ce partenariat Bibicraft. Et puis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Donc, lors du prochain partenariat, en fait, ça sera Alain qui fera les bijoux, puisque c'est une boîte pour faire des boucles d'oreilles hein, que j'ai commandée. Et entre-temps, j'aurais fait deux autres créations avec ça et je vous les montrerai. Hein, deux autres kiss, hein, d'accord? Donc, les filles, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas, un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Je vous embrasse.